Comme vous pouvez le constater, c'est le calme parfait en ce dimanche après-midi. Exactement, ne bougez pas, attention, c'est pas évident de filmer, je le dis à chaque vidéo, mais pourtant c'est vrai, il est exactement 13h17. Ah, je suis reposé vocalement, j'ai bu mon petit coup, pourquoi dire mon petit cul. Et ce que je voudrais vous proposer à ce moment-là, précis, de ma vie, Johnny Hallyday, c'est ma nouvelle collection de pantalons. Non, plus sérieusement, ce sont les nouveaux achats de pantalons que j'ai fait hier à Carrefour. Or, c'est facile à reconnaître hein, lorsque je dis Carrefour, puisque on aperçoit la taille 40. Bah oui, ça y est, j'ai enfin perdu quelques kilos. Pour mon ami Gérard Rit, il va adorer d'ailleurs. J'ai perdu quelques kilos et je suis redescendu à 40, en 40 au lieu de 42. Voilà, donc la marque Tex. Alors pourquoi je filme? Parce que ce sont tout d'abord trois pantalons que j'ai achetés d'un seul coup. Mais si vous remarquez bien, pour les gens des années 80, si je vais quand même, ma soeur jumelle et moi, nous allons quand même avoir 49 ans. Bon, on va tourner un petit peu parce que hein, nous allons quand même avoir 49 ans dans moins de 2 semaines. Et tiens, je m'assois un peu. Et nous avons donc connu les pantalons Pantashop. Ouais, ça vous évoque des souvenirs. Et lorsque j'ai vu ces fameux velours que j'essaie désespérément de filmer, voilà. Lorsque j'ai vu ces velours noirs, droits, j'ai revécu, je me suis dit, ça y est, c'est les années 80. Alors c'est quand même assez épatant, comme dirait mon ami Jean-Paul Belmondo, c'est épatant. Parce que en 2022, je retourne dans ma ville natale, enfin l'une de mes villes natales, c'est-à-dire entre Épinay-sur-Seine, Saint-Denis et maintenant Stains, je retourne dans mon 93 natal vivre, dans le parc de la Courneuve, qui est toute ma vie. Je retrouve toutes les saisons en DVD de Dynasty, que j'avais laissé à Nice, bien sûr, sur la Riviera. Et qu'est-ce que je retrouve? Donc tout ça, c'est mes 16 ans. Tout ce que je vous évoque, ce sont mes 16 ans, mes 15-16 ans, en 1989. Et qu'est-ce que je retrouve aussi? Les pantalons d'époque. Donc j'ai acheté un bleu pétrole. J'ai acheté un pantalon, enfin, ouais, bleu pétrole, pour moi. Bon, un jean normal. Et puis le jean bien noir, velours. Donc, c'est la première partie de la vidéo. Oh, bon, on est habitué, on suit toujours des vidéos qui font, je sais pas combien de minutes. Mais je vais vous filmer cette belle balade au parc de la Courneuve. Je reviens, faut que je m'habille, quoi. Et voilà, juste le temps d'enfiler le manteau, de mettre la paire de lunettes de soleil Kenzo, n'est-ce pas ma chère Marie-Laure? On va se reposer les cordes vocales, surtout que c'est très calme. Donc on va pas faire trop de bruit en quittant le domicile. J'ai le temps d'enfiler les boîtes de bière. On va peut-être pas trop voir, mais bon, allez, on va essayer quand même. Allez, on essaie, non, c'est pas évident. Hop, alors, ah, je prends la caméra par là, les boîtes de bière sont là. La petite vérification, hop là, fais voir, oui, elles sont bien là. Ah, on a du mal à les sortir, mais elles sont bien là. La paire de Santiago, voilà, on a mis la paire de Santiago également. Ah, hop, on filme correctement, oui, on filme correctement. La paire de Santiago est donc là. Là, voilà, on a enfilé le pantalon velours. La famille est toujours là. Et nous allons donc tourner la clé. Et ça sera Claude François, car le dimanche, pour moi, le dimanche, c'est toujours Claude François. Ah, pour moi, Claude, c'est la musique du dimanche. En attendant, le lundi au soleil. Ah, magnifique. Écoutez-moi ce calme. Alors, je vais profiter du calme pour filmer. Au revoir, John. Au revoir, la maison. Pour filmer. Hop, j'ai bien pris mes clés. On ferme la clé, ouais, c'est très intéressant. Non, bon, allez, on ferme pas la clé, ça ira pour une petite balade. Voilà, la mante de maman est toujours là. Ah, salut maman. Ah, tous les matins, je lui dis bonjour, bonne journée maman. Voilà. L'avocatier qui s'apprête à pousser, les citrons aussi, les plants de tomates. Ah bah oui, les plants de tomates, alors là, superbe. Là, bientôt, il y aura prochainement des pieds de citron. Je profite du calme. Filmer. J'essaie toujours de rester discret lorsque je filme. Rester discret, hein. Ah.
Je me lève et je me dirige vers la sortie qui mène au parc, mais pas n'importe quel parc, celui de la Courneuve, comme d'habitude. Que c'est agréable un dimanche après-midi d'écouter Claude François dans son 9-3, son 9-3. Son 9-3 natal, comme d'habitude. Et puis, je vais marcher très vite. Ah non, oh non, ce dimanche, on ne marchera pas très vite. Alors, je vais poser ça. Alors, je ne promets pas de tout filmer, mais c'est l'avantage du dimanche. Regardez, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas un chat. C'est vraiment miraculeux. Hein. Bon, bien sûr, quand ça veut s'ouvrir, parce que quand ça veut pas s'ouvrir, hop, voilà, allez, hop, c'est fait. On va pas non plus y passer la journée. Ça fait plaisir. Pas évident, j'ai un gros plan sur mon visage. Hop. Si, ah, il y a quand même du monde. Bon, je vais essayer de rester hyper discret, mais c'est pas évident. Parce que j'aime pas trop filmer. C'est des gosses qui jouent au football, donc bon, on va quand même faire une pause. Voilà, la vie privée des gens, ça se respecte, donc on essaye de le faire. Il y a un humain, enfin, on va peut-être pas pouvoir tous les éviter. Donc, petite balade au parc de la Courneuve, que vous finissez par connaître, enfin connaître, plus ou moins. Alors hop, on évite de filmer les gens. Parce que c'est agréable. Je me dois une explication quand même, c'est les fameux avions du Bourget que vous entendez. Hein. Voilà. Les légendaires avions du Bourget. Hop. Ah, ce que c'est agréable. Voilà, bah c'est ma vie au quotidien. Enfin, bien évidemment, ma vie au quotidien, comme tout le monde l'aura compris, elle est chez Radio France. Mais à n'importe quel moment, lorsque je rentre, ben voilà, c'est. J'ai ce chemin. J'ai ce chemin qui s'offre à moi. Alors je le prends. Il y a un passage là-bas, parce que. Alors, faut que vous sachiez une chose. Il y a encore des gens. Attendez, on va couper. Allez, les gens sont passés. Il faut savoir une chose, c'est que ici, ça mène à l'entrée principale. C'est-à-dire l'entrée de 1979. C'est le tout début du parc. Hein. Il était à peine ouvert. Et il a vraiment été quand il a commencé à être ouvert en 1980. Enfin bon. Et bien qu'au bout de l'allée, au bout de cette allée chétive, comme diraient les inconnus, petite allée chétive, avec beaucoup d'arbustes, vous savez, les inconnus sont jamais très loin. Bien que ce soit au bout de cette allée, donc l'entrée principale, je viens de vous filmer un endroit qui mène je ne sais où. Par exemple, là je ne sais pas où ça mène. Je ne sais pas où ça mène. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Pourquoi, Cruchot? Pourquoi? Dites-moi mon petit Cruchot, dites-moi mon tout petit Cruchot. Pourquoi? Non, pourquoi? Ben, je vous explique. Parce que... respiration Johnny. Parce que... Non, dans le temps, en 1990, avant 1990, c'était pas défraîchi. C'était complètement des champs. C'était que de la nature. Et puis, en 1990, ils ont entrepris ce que j'appelle le troisième parc. Parce que donc, ils avaient fait le deuxième parc, le premier étant créé entre 1979... et 1987-88, et puis à partir de 89, ils ont commencé à faire des travaux, donc déjà pour faire le deuxième parc, et puis commencer surtout le troisième parc. Et alors là, ça a été ce que ça donne, voilà, ça a été ce que ça donne ici, maintenant. Donc ça a été rajouté, et ce qui fait que moi je ne connais pas, il y a des endroits complètement défraîchis que je ne connais pas du tout. Mais après ça va rejoindre à l'entrée principale, et je pense que j'arrêterai de filmer parce que là on va rentrer, encore une fois je le dis dans l'intimité des gens, mais oui on va rentrer dans le fait qu'il y a trop de gens, quoi, voilà. Donc c'est pas, hein, je le dis toujours, quand même un certain respect pour la vie
publique des autres. Moi, la mienne, elle est publique. Je suis chanteur. J'ai décidé de faire de ma vie la même chose que John Lennon, avec tout le respect, parce que je ne me compare pas à John, comprenez bien. Je ne me compare ni à John, ni à son épouse, Madame Yoko Ono. Mais j'ai décidé effectivement de faire de ma vie un journal public comme le faisait John. Sûrement parce qu'après ma mort, qui, comme dirait Serge Gainsbourg, bientôt casser ma pipe. Après ma mort, ma famille, enfin ce qu'il en reste, mes deux sœurs, mon grand frère, ma nièce, mon petit neveu, et puis tous mes amis surtout. Tous mes amis sont là, Jean-Claude Brialy. Ils seront très contents de voir des vidéos, finalement ce que je suis. Donc je vous le dis, et vous entendez le bruit, les humains se rapprochent, donc nous n'allons pas filmer la vie privée des humains, mais continuons un petit peu, au moins jusqu'au but, ne serait-ce que pour mes deux sœurs, spécialement d'ailleurs ma grande sœur, pour lui montrer que lorsque je prends le but de ce chemin, j'arrive directement dans ce qui fut l'entrée principale du parc de la Courneuve. Alors attendez, vous savez, il fait quand même 435 hectares et bientôt il en fera 452. Alors, c'est jamais bien évident de s'y retrouver. Donc là, on est dans la partie totalement défraîchie depuis donc 1990-91. Moi, j'ai commencé à prendre... Bon, parce qu'à l'époque, quand j'y allais courir, moi, je m'en souviens très bien. Bon, alors, toujours mes années dynastie. Vous me direz que mes années dynastie ne sont pas parties, mais bon... j'allais... Quand j'allais courir en 90, entre deux dynasties et deux cours à l'école, au collège, eh bien, voilà, ça y est, on arrive à l'entrée principale, le fameux lac, le tout premier lac artificiel qui a été créé. Depuis, je peux vous jurer qu'il y a eu plusieurs lacs artificiels qui ont été créés, puisque le parc, comme je vous l'ai dit, s'étend sur 435 hectares. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, cette partie-là du parc que je vous ai filmé n'était donc pas défraîchie. Elle l'a été à partir de 1991. Et moi, j'y allais quand c'était en chantier pour courir, car j'étais sûr d'être tout seul. J'avais 16 ans, je n'avais pas peur, j'étais sûr d'être tout seul. Et aujourd'hui, bien évidemment, comme vous le voyez, il y a une route, c'est complètement organisé, quoi. Mais ça n'existait pas avant, voilà, c'était, on va dire, à l'abandon, moi j'appelle ça à la nature. Oui, ça m'arrive d'être sérieux des fois. Je suis d'ailleurs très sincèrement au regret des petites bébêtes que j'ai dû, qui sont passées malheureusement, ils ont rejoint le cimetière des bébêtes, mais c'est très compliqué de nettoyer un hall d'entrée de propriété privée. Je m'en excuse encore pour tous nos amis véganes et autres végétariens, végétaliens, mais malheureusement, faire du nettoyage, on ne peut pas faire le tri. On ne peut pas faire le tri dans ces toiles d'araignée crades et noires. Bon, donc... bon, allez. Oui, parce que quand je suis sérieux, quand même... Je n'aime pas les insectes, je le dis haut et fort, mais je les respecte. Par contre, c'est vrai que j'aime les plantes. Faut dire que, je vais être sincère, hein, bon, c'est mon opinion hein, qui n'engage que moi, encore une fois, c'est mon opinion. Enrico, toujours très modeste, il dit, hein, Enrico Macias, ça n'engage que moi. Mais la différence entre les plantes et les insectes, c'est que les insectes, ça pique, ça mord, c'est sans pitié. Une plante, c'est innocente. Voilà. Une plante est innocente, à part bien sûr si vous prenez les carnivores ou je sais pas quoi, mais enfin bon. Et j'ai du mal avec ce qui attaque. J'ai du mal avec... même les fourmis, je les trouve vicieuses. J'ai vu comment elles s'en prennent aux escargots quand elles sont en groupe, elles s'en prennent aux escargots. Elles le vident de leur... Je peux pas, voilà, c'est tout, je peux pas. Je défends les escargots, c'est comme ça. Je vais faire le pépère. Et ce banc, que, oh bah alors lui, je peux te dire qu'il existait déjà en 1990. Eh bien, je vais m'asseoir sur ce banc. Je vais donc écouter Claude François, sortir ma première bière, vous dire au revoir. Oh, c'est pas que je vais mourir, hein. Demain j'ai Radio France et puis j'y tiens. Enfin, sauf si Dieu en décide autrement entre temps. Ça se peut, je repasse par là et puis. Samia Iswakbar.
Non, je rigole. Il faut bien plaisanter. Hein. On est obligé de plaisanter de ce qui fait de la peine. On est obligé d'en plaisanter. Alors, c'est l'heure de la première Kronenbourg. Voilà. La vidéo fait 15 minutes, ça va. C'est la moitié d'une vidéo normale de John Sammy Hayes, dit John Manny, aujourd'hui à Paris. Je vais peut-être me taire. Je vais écouter Claude. Je dis plus Claude François, je dis Claude parce que il est dans ma vie depuis maintenant 1977-78, comme Rock Collection qui a changé ma vie. Comme je l'ai dit dans une vidéo, quand j'étais petit, il y a deux choses qui m'ont révolutionné. Gary Glitter, un grand rocker anglais que ma grande sœur écoutait en 1975-76, quand j'ai entendu Gary Glitter. Rock and roll, hey, rock and roll. Ça m'a chamboulé, comme dirait Pierre Richard. Moi, je suis chamboulé, moi. Et puis, il y a eu également Rock Collection en 1977. Et là, ça a vraiment bouleversé, changé, chamboulé ma vie. Sur ce, je me tais. Je laisse les oiseaux chanter, comme de par hasard. Ils ne chantent plus. Ah non, c'est des canards. Bon dimanche. Au revoir. Je trompe la love.